Je vous avais posé une question pour montrer un petit peu comment à Kadosh Baruch Hu on est vraiment à la fin des temps. Pourquoi je le vois? Parce que je le vis moi au quotidien avec les histoires qui nous arrivent. On s'aperçoit que véritablement Akadosh Baruch Hu est en train de ramener ses enfants vraiment vers lui et des gens qui sont extrêmement éloignés. Alors je vais vous poser un petit peu comme un jeu de rôle. Si vous étiez Dieu, comment est-ce que vous feriez? Je vais vous poser un cas qui nous est arrivé, et vous allez me dire comment est-ce que vous vous en sortiriez d'une telle chose. Et vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu, il est fort. un jeune qui nous a un petit peu son histoire, quelqu'un qui est issu d'un mariage mixte, donc la mère qui était complètement éloignée donc, de toute pratique, il vivait à Paris, ils sont partis, lui il est parti, il avait je pense entre, aux alentours de 8-10 ans, quelque chose comme ça, ils sont partis vivre en Bretagne. Bon, ils étaient un petit peu les Parisiens arrivant en Bretagne, mais bon, ça, ils arrivaient plus ou moins à s'adapter là-bas, jusqu'au jour où malheureusement, il arrive à l'école et il voit une grosse croix gammée sur sa table, au compas, complètement gravée sur sa table. Dès qu'il sort ensuite à la cour de récréation, il se fait tabasser comme un fou et il prend des coups et des coups les jours qui suivent comme ça, sans arrêt. Alors il comprenait rien, pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui pratiquait pas du tout, je ne connaissais rien de son judaïsme, et pourtant il n'arrivait pas, il n'arrêtait pas de subir un petit peu ces choses-là. Il m'a dit que dans la lettre qu'il m'a écrite, il m'a dit j'avais l'impression d'être retourné dans les années 30. C'est-à-dire tellement il a senti cet antisémitisme. C'était quoi le déclenchement? C'était uniquement comme quoi sa mère avait un jour fait un chèque avec son carnet à elle de jeune, avec son nom de jeune fille, Madame Cohen. Et donc du coup, dès qu'ils ont appris ça, donc tout s'est renversé là-bas et c'était un vrai antisémitisme qu'il a subi pendant des années et des années. Et donc il en voulait énormément en fait à son judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il ne le, il le pratiquait pas, mais tout le monde lui en voulait. Et donc du coup, il s'est complètement, complètement éloigné au point d'arriver à fréquenter les milieux gothiques. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là, les genres un petit peu nouveau punk d'aujourd'hui, complètement très très noir comme. Comme mouvement anticonformiste au possible, messe satanique et compagnie, etc. C'était quelque chose de fou. Alors voilà, imaginez un jeune qui est comme ça, il est en Bretagne, il n'y a pas un juif dans les 200-300 km à la ronde, d'accord? Il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Comment vous faites pour faire revenir un jeune pareil? Je vous écoute. Alors, c'est quelqu'un qui ne recherche pas du tout, donc il ne va ni aller sur les sites internet de Torah ou quoi que ce soit, ça ne l'intéresse pas, d'accord? C'est quelqu'un qui est anti. Il a pu faire une émission, Hachem lui a envoyé une émission. Alors, dans son milieu là-bas. Hein? Il n'y a pas de juif autour de lui, il n'y a rien. Il n'a aucun contact avec le milieu juif de près ou de loin. L'égoïme, comment? Alors ça l'a éloigné, mais ça l'a pas. C'est pas que c'est quelque chose qui l'a rapproché. Alors regardez comment Akadosh Baruch Hu il a fait. Effectivement, il a rencontré une personne, mais pas de chez nous du tout, d'accord. Et cette fille-là, apparemment, c'était une tête, d'accord. Elle s'est prise d'amour pour la théologie et elle a commencé à étudier la théologie. Donc par quoi elle va commencer? Par la source. Elle commence par la Torah. Elle était assez forte, puisqu'en 3 mois, il me dit, elle était capable de comprendre des cours et de parler, enfin de traduire l'hébreu, etc. Donc elle s'est à fond, elle s'est mise dedans. Et elle a découvert que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc lui, elle lui racontait ce qu'elle entendait dans les cours, dans ce qu'elle étudiait. Lui, il n'en avait rien à faire. Mais petit à petit, il me disait, je voyais les murailles qui commençaient à tomber. Et un mur, et un autre, et un autre. Et au bout d'un moment, elle commence à lui dire, mais écoute, ça c'est ton histoire, c'est toi, tu devrais t'intéresser. Et là, il a penché l'oreille et puis il a commencé à voir que ce n'était pas du tout ce qu'il croyait à la religion. Et il a vu qu'effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il a découvert le judaïsme, il a découvert la Torah. Et donc, petit à petit, toutes les barrières sont tombées jusqu'au moment où son cœur a commencé à s'ouvrir. Et lui-même a décidé d'aller sur Internet. Il a écouté des cours, justement, du Rav Chaya. Il me dit sur les Havas, sur Torah Bo, etc. Il a écouté des cours et il a commencé à réaliser que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait. Et là, il a commencé un processus de teshuva. Dès qu'il a commencé à prendre les choses en main, la fille l'a balancé.
mais tout de suite. Elle m'a dit, maintenant je passe à l'islam, d'accord, la Torah c'est bon, mais je veux aussi voir le reste. Et elle a jeté complètement, lui il en a fait presque une dépression, mais en tout cas la chose était faite, et il s'est retrouvé face à lui-même, il s'est retrouvé face au livre, et là à ce moment-là il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, parce que la tchouva elle a commencé, ce qui manque c'est la Brit Mila. Et donc il nous a contactés, on lui a fait la Brit, et Baruch HaShem aujourd'hui il étudie, il s'est rapproché du milieu juif, et il en est très fier, il en est très content, et Baruch HaShem, voilà, vous voyez comment HaKadosh Baruch Hu est capable d'utiliser des gens, même les plus loin, pour arriver à faire revenir ses enfants, et Bezat HaShem, vers la Torah.